Je voulais vous annoncer aujourd'hui une chose importante. Je vais augmenter le salaire minimum au sein de l'entreprise. Chacun d'entre vous touchera donc au moins 65 000 euros par an et je suis hyper content de vous l'annoncer. Six mois plus tard, comme promis, tous les petits salaires ont flambé, avec effet immédiat. Dans cette pièce, les augmentations sur la feuille de paye ont concerné tout le monde. Dan Price a fait ce choix après avoir observé que ses employés tiraient la langue financièrement à la fin du mois. Il y avait une employée qui travaillait ici. Elle n'arrivait même plus à se payer l'eau courante dans son appartement. Et moi, je gagnais 1 million d'euros par an. J'ai réalisé que dans mon entreprise, une femme que j'estime beaucoup, qui travaille très bien, ne gagnait pas assez d'argent pour avoir l'eau courante chez elle. Je savais qu'il y avait quand même un problème. Dan Price décide donc de diviser son salaire par 14. Désormais, avec 5 400 euros tous les mois, finis les caprices de millionnaire. J'avais une assistante à la maison, disponible 24 heures sur 24. Elle faisait mes valises, elle préparait mon petit déjeuner. C'était un peu comme Batman et son fidèle majordome Alfred. C'était super cool. Et ça, c'est fini. Oui, ça, c'est fini. C'est plus possible aujourd'hui. Et vous savez, j'avais aussi l'habitude d'aller skier. J'y allais en hélicoptère. Et il a fallu que je me serre la ceinture. Je fais ça beaucoup moins souvent maintenant. Terminé la vie de rêve, désormais tout l'argent sacrifié par Dan Price est reversé aux employés. Pour Rossé, c'est comme gagner au loto, et ce n'est qu'un début. J'ai commencé ici avec un salaire de 2800 euros par mois. Et un an et demi plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis à 4300 euros par mois. Et la prochaine étape ? La prochaine étape, dans un an, tous les petits salaires de la boîte vont encore augmenter. Et moi, ce sera 4700 euros par mois. Et dans 2 ans, ce sera 5500 euros. Dans 2 ans ? Oui, dans 2 ans. Avec son augmentation, Rossé s'est offert un rêve de gosse qui fait beaucoup de bruit dans les rues de son quartier. Je rêvais de ce joujou depuis 10 ans, et avec mon augmentation, j'ai enfin réussi à me l'acheter. Ça a coûté combien ? Autour de 8500 euros. Avec aujourd'hui un salaire proche de 4000 euros par mois, Rossé a littéralement changé de vie. Avant, j'étais en coloc avec 2 autres personnes et maintenant, j'ai les moyens de louer mon propre appart. Bon, c'est pas très grand, mais c'est chez moi. Je peux même accrocher au mur les tableaux de ma sœur. J'ai ma propre chambre. C'est pas le grand luxe, mais je n'ai pas à partager mon placard. Le loyer avant, c'était autour de 750 euros. Maintenant, c'est 1250 euros. Ça a grimpé, mais je peux me le permettre. Rossé est élogieux quand il parle de son employeur, et c'est loin d'être le seul. Dans les couloirs de l'entreprise, certains ont même trouvé un surnom pour Dan Price, Jésus.